être dans le quotidien des Réunionnais, le pouvoir d'achat. On en parle, c'est d'ailleurs le premier texte de loi qui sera examiné à la rentrée. Des mesures concrètes, avec des résultats concrets. Lutter contre l'inflation avec le chèque alimentation. L'objectif, c'est de faire reconnaître la spécificité de notre territoire et que ce montant soit bien évalué en fonction de la vie chère et surtout qu'il soit complémentaire des autres dispositifs qui existent de manière expérimentale à La Réunion. Je pense au bouclier qualité-prix. Vous parliez d'abstention. Si vous aviez un mot à dire aux électeurs qui n'ont pas l'intention de venir dans les bureaux de vote, quel serait-il ? N'attendez pas le deuxième tour. Le premier tour est déterminant et surtout, ne laissez pas les autres choisir à votre place.